Bonjour, chers internautes. Pour la question du jour, dites-nous, quelle est votre appréciation du communiqué 027 du CTRI qui porte sur l'extension de la cérémonie de levée de couleur dans les administrations publiques au Gabon? Allons-y recueillir des avis et c'est tout de suite sur Newsline. Le comité de transition et de la restauration des institutions de notre pays, le Gabon, a relancé ces choses. Nous sommes très contents parce que c'est notre fondement de base. Et nous nous sentons revigorés, nous nous sentons des Gabonais autochtones, nous nous sentons des Gabonais responsables. Et nous ne sommes plus appelés à faire des bêtises n'importe comment. Lorsque la nation gabonaise n'était pas encore indépendante, nous n'avions pas l'hymne national. Mais lorsque nous sommes devenus indépendants, l'hymne national, c'est notre fondement, c'est notre socle de vie. Le temps qu'on a passé sans chanter l'hymne national, c'est pas bon. Les quatre couplets, je les connais parce que j'ai les documents chez moi. Je peux les apprendre ce midi jusqu'au soir pour les chanter demain matin, les quatre couplets au total. Ça nous permet de nous réapproprier de notre patrie, des valeurs de notre pays. C'est un truc qu'on avait déjà oublié, que le gouvernement a mis en place pour nous remettre sur le droit chemin. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas tous les couplets de notre hymne national. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative, déjà parce que ça nous permet à nous, citoyens gabonais, de revoir nos cultures. Ça nous permet d'apprendre aussi à nos petits frères aussi, de revoir un peu les cultures du Gabon. C'est quand même notre pays. En tout cas, c'est vraiment très, très important et très enrichissant pour les Gabonais. Okay, c'est une bonne chose que l'État ait organisé ce genre de choses, parce que quand on aimait bien l'époque, c'est quelque chose qui était déjà bien avant, à l'époque de Lyomba, tout ça. Mais après, il y a eu une négligence. Donc on a constaté que dans les établissements, même dans certaines institutions, on ne respectait plus ça. Donc c'est important, déjà ça nous ramène le rattachement à la patrie. Et puis nous avons remarqué dans l'établissement aujourd'hui, on a de nombreux frères et des petits frères qui ne connaissent même pas l'hymne national, ni en plus encore celui qui l'a composé en fait. Moi je vous avoue, les quatre non. Bah, c'est tout aussi, hein. Moi je suis dedans, quand je dis Gabonais, je ne m'inquiète pas, je suis à l'intérieur aussi. Une mesure, chers internautes, qui vient donc relever l'esprit patriotique en chaque Gabonais, petits ou grands, peu importe si c'est à l'école primaire ou encore dans les administrations publiques. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newsline.